termes effectivement techniques qu'on peut définir de deux façons différentes. Alors, il y a une première façon qui est peut-être un peu réservée aux économistes, qui consiste à dire qu'il y a une externalité quand l'action d'un agent sur les autres agents entraîne une modification des comportements sans qu'il y ait modification des prix. C'est-à-dire que le comportement d'un agent induit des modifications des comportements des autres agents qui ne sont pas répercutées dans le système des prix. Je donne un exemple. Le bouchon automobile est le résultat de la mauvaise coordination de milliers de gens qui prennent leur voiture au même moment et qui, quand ils prennent leur voiture, la prennent pour des raisons de mobilité, ils veulent se déplacer, et qui, du fait de la non-coordination de leurs actions, se retrouvent coincés sur la chaussée, c'est-à-dire ne peuvent plus précisément se déplacer. Donc se trouvent dans obtenir un résultat exactement inverse à celui pour lequel ils avaient décidé de prendre leur voiture. On dit dans ce cas-là qu'il y a une externalité négative qui est due au fait que la mauvaise coordination des actions des gens induit le contraire du résultat qu'ils attendaient de leur décision. Alors, ça ne modifie en rien le prix du pétrole, le coût de la voiture, etc. Le système de prix, les prix auxquels vous achetez l'ensemble des produits qui font le support de la vie, n'est pas modifié par le fait que tel ou tel agent décidera ou ne décidera pas de prendre la voiture. Par contre, le fait qu'il décide ou pas de prendre la voiture engendrera ou pas des bouchons. Et donc, on appelle ça une externalité. C'est une externalité par rapport à la façon dont le marché répercute les interactions des comportements. Habituellement, un marché répercute les interactions des comportements par le fait que les prix se modifient. Il y a plus d'offreurs, les prix baissent. Il y a plus de demandes, les prix vont monter. Ici, il y a des comportements qui font que les prix ne bougent pas. Mais pourtant, ça engendre des modifications dans la vie. Alors ça, c'est la façon un peu technique de parler d'externalité. La deuxième façon, je pense peut-être plus simple, c'est de dire qu'il y a une externalité quand il y a une divergence entre le coût privé qui est pris en considération par l'agent qui prend sa décision est différent du coût public pour lequel cette action, enfin, que cette action entraîne. Alors, je reprends toujours l'exemple de l'automobile. Pourquoi vous décidez de prendre votre voiture? Bah, parce que vous voulez vous déplacer. Qu'est-ce qui motive votre décision? C'est que si vous examinez les coûts de votre décision, bah, en gros, vous avez de l'essence à dépenser. Si vous êtes vraiment très performant, vous allez tenir compte qu'il va falloir remplacer votre voiture, vous allez prendre en compte un coût d'amortissement, des coûts d'assurance, bon, le coût d'usage de la voiture, donc l'essence plus éventuellement l'amortissement. Mais vous n'allez pas du tout prendre en compte le fait que la voiture va émettre des gaz à effet de serre qui vont entraîner un changement climatique, le fait que vous allez perdre du temps sur la chaussée, faire perdre du temps à d'autres. Le fait que vous allez peut-être causer un accident parce qu'une voiture de plus dans la chaussée va entraîner un bouchon qui va entraîner une percussion et à la fin un accident, etc., etc. Au total, ces coûts existent et sont pris en compte par la collectivité. L'accident entraînera des dépenses médicales, le temps perdu entraînera une perte de contrat par un gars qui arrive en retard à son travail, voire même sera licencié, le changement climatique entraînera des coûts de toute nature sur les événements climatiques extrêmes sur l'agriculture, le rendement agricole, etc., etc. Tous ces coûts-là seront nécessairement pris en compte par la collectivité, c'est-à-dire en gros seront pris en compte aussi par l'individu, mais en tant que contribuable et puis en tant qu'usager de la voiture. Donc, quand il ne se regarde que comme usager de la voiture, il ne tient compte que des coûts immédiats liés à l'usage de la voiture, mais pas des coûts que cette décision engendrera sur la collectivité. Alors, quand il y a cette divergence, on dit qu'il y a une externalité. Divergence entre coût privé et coût social. Alors, je l'ai dit dans ce sens-là, mais il faut le voir aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a des externalités qui sont positives. C'est-à-dire qu'à l'inverse, c'est le bénéfice social est supérieur au bénéfice privé. Par exemple, l'éducation. Vous engagez des études pour améliorer votre employabilité, pour avoir un meilleur job, pour avoir un salaire plus élevé, etc. Ce faisant, en vous éduquant, vous contribuez aussi au bien-être de la société. Vous êtes capable de plus d'interactions avec les autres, vous êtes capable de profiter mieux des idées des autres, etc. Et donc, vous êtes capable d'inventer quelque chose que vous n'auriez pas inventé si vous n'aviez pas suivi ce niveau d'éducation. Et donc, du coup, ça bénéficie à l'ensemble de la société. Donc là, il y a un effet positif pour l'ensemble de la société. Et là, on appelle ça une externalité positive. Donc, il y a les deux types d'externalités. Et l'unité profonde des deux, c'est toujours cette divergence entre le coût, le bénéfice privé et le coût, le bénéfice social. C'est clair, ça?